Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une double dose de Car Mechanic Simulator. Car en gros, j'ai eu un problème avec ma caméra. Donc pour celui-là, je ne vais pas faire excusez-moi pour cette petite coupure. On a eu un petit souci, j'ai un petit souci avec mon PC encore. Bon, c'est pas grave, comme vous l'avez vu avant dans Spin Tier et la période, dans la partie avant, en gros, j'ai pas mis le son et tout, donc là j'ai eu un petit problème de caméra, donc là il n'y aura pas de facecam pour cette fois-ci. Je vais essayer de résoudre ça pour le prochain, donc on va faire encore quelques autres missions, donc on est à la mission 20. Donc on va remplacer les bagues en caoutchouc tout de suite, et d'abord on va lever la voiture, on va enlever les bagues, non. On va aller acheter les 4 bagues, je crois, il me semble qu'il y a 4 bagues. Donc on va aller faire ça, donc excusez-moi si je ne suis pas en facecam, c'est juste parce que je ne peux pas. D'ailleurs je vais pas... je vais m'acheter des améliorations, attendez. Manuel, on va acheter une amélioration de chaque. Comme ça on aura une petite ristourne. Et en gros je vais faire une petite la suite d'une petite vidéo, en gros d'une vingtaine de minutes même pas. On va faire déjà cette mission et on verra après. Cette opération, cette OR. Excusez-moi si vraiment là c'est vrai que je suis vachement contrarié par le fait que mon PC ne marche pas bien. Et voilà. Après c'est vrai que c'est un petit peu dommage que mon PC marche. Merde. Faut que j'achète les pièces quand même. Donc faut que j'achète les pièces. Revenir bus ici dans le garage, ouais, donc voilà, on va vraiment donc on va aller acheter les deux bagues qu'il faut, en gros les bagues qui, ben, ce qu'ils appellent les bagues, il me semble que ça s'appelle en vrai des cylindres blocs, donc pour ceux qui s'y connaissent pas beaucoup en mécanique, hein, je veux pas, parce que c'est vrai que on n'est pas tous obligés de s'y connaître. Moi je suis quand j'ai commencé la mécanique, c'est vrai que j'étais pas très bon, donc je venais juste en gros je n'y connaissais rien non plus. Ah, mais quand je dis rien, c'est rien du tout. De toute façon, au pire si je me trouve, c'est pas grave, mais je pense que ce sera bon. J'y connaissais rien du tout, et quand je dis rien, c'est rien, hein. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se moquer. En gros, je suis arrivé, bon, je savais les bases, quoi, je savais avec. Bon, on est bon. Je savais comment fallait se débrouiller à peu près, mais bon, on va dire que j'ai beaucoup appris, on va dire, pendant mes années d'études. Bon, tant pis, j'ai pas vraiment étudié non plus, je suis pas resté 30 ans à étudier. Mais on va dire que j'ai étudié un certain temps pour savoir déjà pas mal de choses sur l'automobile et tout ce qui s'ensuit. Déjà que j'ai étudié, on va dire, un peu avant l'histoire de l'automobile, pas forcément l'automobile en elle-même. Ben, les éléments de l'automobile, on va dire. Donc, alors, les douilles, elles sont où? Je suis où, moi? J'ai lu mon bouton. Là. Donc on va aller démonter et remonter les deux là, et après on va aller démonter et remonter les deux à l'arrière. Donc allez, enlève-toi, voilà. Et maintenant c'est au tour de l'autre. Faut être vraiment très précis avec ce truc, parce que un petit bout de plus et puis hop, vous l'avez dans le fion. Donc, excusez-moi s'il n'y a pas de facecam pour cette semaine. C'est juste que mon PC bug beaucoup. Mon ordi aussi, c'est normal. Vu que c'est la même chose. Voilà, en gros, j'ai mon téléphone qui me sert de caméra qui bug aussi beaucoup. Et c'est pour ça que je peux pas... Ben, je vais essayer de faire une facecam sur la vidéo qui paraîtra... vendredi, si je ne me trompe pas, donc si je me trompe pas du tout, parce que normalement vendredi je vais essayer de faire un farming, normalement tout est arrangé,
J'avais pas grand chose en fait, je pense que mon ordinateur chauffait un petit peu trop et quand il chauffait, bah en gros il faisait comme un peu tous les ordinateurs, il me coupait sans véritable raison mon jeu. Voilà. Après merde, faut que j'aille de l'autre côté maintenant. Donc voilà, moi franchement je vous dis clairement, je vais continuer, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu stupide de pas pouvoir... Attends. Hop, voilà. Elle est où la bague? Elle est plus bas. Donc n'hésitez pas à me dire franchement ce que vous pensez de mes vidéos, parce que moi franchement j'adore faire ces vidéos et c'est vrai que c'est un truc que je trouve plutôt intéressant. En gros c'est ça vaudrait presque comment dire, une thérapie. Par exemple quand on est un peu timide comme moi, ce serait presque obligatoire de faire des vidéos sur YouTube. C'est vraiment une bonne thérapie pour vaincre, on va dire, la timidité. Donc voilà, je dis pas que faut vraiment faire le con sur YouTube, hein. Je suis pas le con non plus, mais on va dire que pour moi ça me semble logique de faire en tout cas YouTube quand on est un peu timide, on va dire. Ça me semble logique. Donc on va aller voir le machin, le client, on va lui dire que sa voiture est réparée, normalement c'est bon, voilà. Donc on va aller, voilà, hop c'est fini. Donc mon ordinateur est toujours assez lent, même très très lent, surtout qu'en plus je capture, et là, en gros je capture la totale, donc en gros son et jeu, donc ce qui fait que ça risque de peut-être beaucoup bugger, et c'est ça qui risque de me faire un peu chier. On va dire, hein, façon de parler, sans être trop vulgaire, on va dire. Donc voilà, alors excusez-moi encore, franchement, ça m'énerve vachement. J'ai essayé de chercher une caméra un peu sur le bon coin, voir si j'en trouvais une pas trop chère. J'en ai trouvé une qui était pas trop chère, mais voilà, faut que je négocie un peu et tout. Donc normalement, peut-être que si j'arrive à avoir cette caméra, je pourrais vous faire des bonnes vidéos et tout, comme il faut. Mais pour l'instant ça reste un peu en suspens, on va dire, à part si celle ouais, ok, je vais faire ça mon petit. Donc voilà, si j'arrive vraiment à réparer si j'arrive à avoir les trucs qu'il me faut pour la voiture, pour faire du YouTube en gros, pour vraiment, il y a pas mal de choses, hein, qui peuvent être faites. Et c'est vrai que pour moi YouTube c'est vraiment pas mal de choses très intéressantes. Déjà c'est une chose qui me fait plaisir, déjà qui comble mon temps vide, on va dire, ce qui fait que ça me compte beaucoup, parce que ça prend beaucoup de temps. YouTube c'est vraiment 80%, c'est bon. C'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps. YouTube, ça peut être fait à mi-temps, mais on va dire que c'est moins évident de faire à mi-temps que de le faire en plein temps. On va dire ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus difficile de le faire à mi-temps que de le faire à plein temps. Et donc voilà. Mais à part ça, ça reste toujours convenable. Et on est toujours dans une zone potable de tout ce qui est faisable. Mais franchement, moi je dis que pour YouTube, c'est vraiment une bonne chose pour les gens qui sont un peu réservés ou comment dire, pas mal d'autres choses dans ce genre-là, mais qui sont réservés, qui sont... pas côté de la plaque, mais qui sont je sais pas comment je pourrais le dire, mais qui sont un peu réservés, qui ont du mal à communiquer avec les autres.
c'est vraiment une bonne chose que je trouve, moi, pour moi. C'est vraiment quelque chose que je trouve limite essentiel. C'est mieux que d'aller voir un psychologue pour lui parler, quoi. YouTube, c'est vraiment une bonne chose. Donc voilà, et moi je dis franchement, tous ceux qui, comment dire, qui ont des, pas des, si des, je sais pas comment vous le dire, qui ont des problèmes, pas forcément psychologiques, mais qui ont des problèmes de sociabilité ou de timidité, parce que c'est surtout ça qui cause le problème, c'est la timidité. Et la timidité, c'est vrai que c'est quelque chose qui pose problème à pas mal de gens, pas forcément des Français, pas forcément si beaucoup des humains, mais pas forcément des, voilà, en gros ça peut être tout le monde, des hommes, des femmes, tout le monde. Donc c'est vrai que pour moi YouTube, c'est vrai que ça m'a pas, en fait ça m'a bien aidé dans tout ce qui est. En fait, c'est vrai que le souci, c'est plutôt, par exemple, quand il arrive des trucs assez embarrassants, que là, je vais être assez réservé, assez coincé, on va dire. Mais sinon, après, en règle générale, je suis pas trop coincé. Donc, on va essayer d'en faire une autre, si c'est possible. Je pense que ça doit l'être. Merde, c'est pas ce que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage que... qui a d'avoir des soucis comme ça, mais c'est vrai que YouTube aide beaucoup dans ce développement là, dans dans l'aide du développement de beaucoup de choses. En fait, YouTube, c'est vraiment quelque chose qui te permet d'évoluer, même pas forcément si tu veux faire ta vie dessus, hein, pas comme les Cyprien, Norman, etc. Ou Mr. V, pas mal de choses comme ça. Je veux pas parler des gens comme ça, parce que eux ils font vraiment, ou Squeezie, parce que je pense que Squeezie doit en vivre aussi. Voilà, en gros ces gens là ils doivent gagner quand même une certaine somme, mais ça peut servir en même temps de thérapie pour les gens réservés, timides et d'autres choses. Donc on a changé de garage. Donc on va aller faire un test, un test sur la piste de diagnostic. Donc on n'a pas grand chose. Oh, une Rolls Royce. Non, c'est quoi? On va voir. Alors, essayons de deviner. Alors, j'irai soit une Chrysler 300C, soit une Rolls Royce Phantom. Dites-moi dans les commentaires, par exemple, si vous êtes d'accord avec moi. C'est vrai que 300C, Chrysler 300C ou Rolls Royce Phantom. Et c'est vraiment voilà, moi j'adore ce jeu parce que déjà ça lie les voitures avec d'autres petites choses qui sont assez sympathiques. Donc déjà on a quand même fait pas mal bon, ok, bon, voilà, on est bon. Appuyer sur les freins. Voilà. On va avancer. Donc en fait, ce jeu là, c'est la première fois que moi je le fais. Mais en gros, c'est vrai que je l'ai jamais fait ça. J'ai déjà vu comment on faisait et tout. Mais je l'ai jamais fait moi, on va dire. Ok. Je me demande si on va pas rentrer dans le. Bon. Bon, ça fait pas très joli sur mon ordinateur, j'ai pas les composants qui vont bien. Hein. Donc voilà, on va avoir fini. Donc voilà, après je sais pas s'ils vont vouloir changer quelque chose ou pas. Non, il n'y a rien de très alarmant, on va dire. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc excusez-moi encore s'il n'y a pas eu de facecam ces quelques derniers jours. Je vais essayer de remédier à ceci, mais voilà, on va dire que les moyens ne sont pas trop avec moi en ce moment. Donc, je vais faire mon possible
pour faire le mieux, mais je vous promets rien du tout. Parce que voilà, je vais faire du mieux que je peux. Mais je ne peux rien vous promettre. Parce que c'est pas je ne veux, c'est je ne peux rien vous promettre. Donc voilà. C'est pour ça que je préfère dire que je vais faire mon possible pour améliorer la qualité de mes vidéos. Améliorer tout ce que je peux faire dessus. En gros, la qualité, peut-être que dans quelques semaines, quelques jours, il y aura peut-être le début des lives en facecam et tout. Je ne promets rien pour le facecam, mais au moins au moins faire une des vidéos en live, ça pourrait être sympathique. Après je sais pas si voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous dit sur la Ghost ou sur la 300C? En plus c'est pas une break, hein, je crois, hein, non. Voilà, on a fini 300C juste pour faire 300$ en plus. 300C, 300$, c'est pas mal. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment donc je veux vraiment faire de mon mieux pour continuer mes vidéos sur YouTube sans que ça vous pénalise de trop. Donc ou moi, parce que c'est vrai que moi je me pénalise beaucoup, on va dire, en même temps. Parce que par exemple, quand je fais un rendu de vidéo, je ne peux pas utiliser mon ordinateur du tout, parce que mon ordinateur est tellement peu puissant que ça me prend toute ma patate. Pardon. Quand je veux tourner une vidéo sur quand je veux monter une vidéo, pas tourner, monter, pardon, j'ai envie de tout qui remonte. Le moteur, vérifier le moteur, ouais. Bon, donc on fera ça au prochain épisode. On va s'arrêter là-dessus. Donc c'est une petite partie commentée de la vidéo. Donc qui fait 17-18 minutes. Donc on va se quitter là. J'espère que ça vous a plu. Je vais faire une petite avancée rapide sur la première partie, parce que c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est assez important de vous montrer tout, en gros, de A à Z, même si y a des coupures, on va dire, même si, voilà, je vous ferai une avance rapide dessus, parce qu'il n'y aura pas de commentaires. Donc, c'est pour ça que je vous fais une petite avance rapide dessus. Donc, on va se quitter là, et je vous dis à la prochaine. Ciao!